La CMDT est très importante pour nous parce que c'est le lieu où on parle du développement des télécommunications dans le monde. Et nos attentes, c'est de pouvoir avoir des réponses avec les questions, aux questions avec lesquelles nous sommes arrivés. Mais c'est normal, chaque fois, chaque 4 ans, la CMDT représente une manifestation très importante parce qu'on finit par déterminer la stratégie des 4 prochaines années. Et donc, on se prépare à travailler et comment va-t-on réaliser nos objectifs à travers la stratégie édite lors de cette grande manifestation. C'est comme la Coupe du Monde pour le FIFA, oui, c'est la même chose. La CMDT, plus ou moins, elle a été, disons, créée pour, disons, aider les pays qui sont les PMA, les pays moins avancés et les pays qui sont en développement. Donc c'est surtout pour ces pays-là que la CMDT et que le BDT a été créé et pour essayer d'aider les pays qui sont un peu en retard par rapport au reste des pays évolués, essayer de les arrimer, disons, à ce qui est nouvelle technologie dans le monde. Oui. La conférence mondiale de développement des télécommunications est très importante pour Djibouti parce que pour nous, il y a des projets qui sont en cours et qu'on aimerait bien que suite à la participation de cette conférence, nous pouvons aboutir et avoir l'occasion d'en profiter à rencontrer le secrétaire général de l'UIT ainsi que ses membres à accepter ou nous valider certains projets qui sont très utiles pour Djibouti.